Chers collègues, je tiens à saluer la présence de Pierre-Jean Coulon, président de la section Transport, Énergie, Infra du Comité économique social européen, et puis Monsieur Bignon, sénateur. Bienvenue à cette séance. Mais aussi en tribune, nous avons la présence de nombreux spécialistes de la marine, organisations, officiers de marine. Cette présence montre, s'il en était besoin, l'intérêt porté à nos travaux par les experts des questions que nous traitons. Je souhaiterais aussi porter à votre connaissance que j'ai appelé notre collègue Joël Prévost-Madère, membre de la délégation Outre-mer et originaire de Guyane, afin de lui dire toute l'attention que le Conseil porte à la situation de ce département français. Joël Prévost-Madère m'a décrit la situation, les difficultés rencontrées, ses craintes, ses espoirs. Je ne sais pas en quelle mesure le retour à la normale effectué, le CESE pourrait participer au travail nécessaire que la collectivité nationale doit effectuer sur cette situation, ses causes, ses conséquences, ce qui pourrait être fait. Mais je propose, à son retour de Guyane, de réunir la présidente du groupe Outre-mer, le président de la délégation Outre-mer, afin d'envisager avec eux ce que le CESE pourrait faire et de quelle suite on pourrait donner aux propositions qui pourraient être faites dans ce cadre. Et je crois savoir que dans le RAEF, il y a un focus spécial Outre-mer, très bien rédigé, paraît-il, et qui porte bien l'attention qu'on doit porter à ces territoires un peu éloignés de notre métropole, mais ô combien importants. Nous allons passer, si vous voulez bien, au projet d'avis qui va être présenté par M. Jacques Bell, rapporteur au nom de la section des affaires européennes et internationales présidée par Jean-Marie Cambacérès. Le projet d'avis est donc la politique européenne de transport maritime au regard des enjeux de développement durable et des engagements climat. Vous avez la parole sous les applaudissements. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la section du transport du Comité économique et social européen. Monsieur le conseiller, Monsieur le sénateur, bonjour. Chers collègues, nous allons aborder un sujet qui est complexe aujourd'hui. Vous savez que j'ai l'art de la synthèse et des discours qui sont courts, donc vous allez avoir la démonstration aujourd'hui. Pour commencer, je voulais simplement vous dire que vous faire un petit topo sur comment va se dérouler la présentation. Donc on veut avoir un petit documentaire dans quelques minutes pour présenter disons le sujet, et ensuite un petit focus sur la stratégie européenne, puis on va aborder un peu de gouvernance mondiale. Et ensuite, nous allons attaquer les enjeux développement durable qui sont au cœur de notre avis. Voilà, donc si vous voulez bien, maintenant, on va voir le documentaire du dessous des cartes, un extrait du documentaire du dessous des cartes d'Arte. Oui, alors, je vais vous donner quelques chiffres sur le transport maritime. Donc, la flotte mondiale commerciale est à peu près de 90 000 navires. Et les cinq premières économies mondiales en termes d'armement sont la Grèce, le Japon, la Chine, l'Allemagne et Singapour. Et au niveau des cinq premiers États du pavillon, c'est le Panama, le Libéria, les îles Marshall, Hong Kong et Singapour. Donc on parle d'État du pavillon quand le propriétaire du navire n'est pas du même drapeau que le bateau. Donc à ce moment-là, ça donne des possibilités d'avoir des conditions commerciales, fiscales et autres, et sociales, beaucoup plus avantageuses. Et 70% des navires sont sous un pavillon différent de celui de l'armateur. Il faut, en termes de pays aussi, la construction et la déconstruction des navires se fait en Asie principalement. Donc pour la construction, c'est la Chine, le Japon et la Corée du Sud qui représentent plus de 90% des constructions, et le Bangladesh, l'Inde, le Pakistan et la Chine aussi pour la déconstruction. Un peu plus de 1,5 million d'emplois dans le monde direct pour des gens de mer. Par contre, il y a bien une bonne moitié d'officiers dedans, donc ce qui veut dire que le niveau de qualification est correct. Il faut savoir qu'au niveau des équipages,
On peut avoir entre 15 et 25 marins sur des porte-containers, sur les plus gros 20-25, bien sûr. On parle de 300 membres d'équipage environ pour des ferries. Et ensuite, on est au-delà de 1000 pour des gros bateaux de croisière. Au niveau de l'Union européenne, elle représente 40% du tonnage mondial. On a bien sûr Malte, la Grèce et Chypre qui sont parmi les 10 premiers pavillons. Il y a 640 000 emplois directs et 220 000 emplois communautaires de marins. Donc ça veut dire qu'il y en a 440 000 qui viennent d'autres pavillons, d'autres pays comme les Philippines et l'Indonésie qui sont gros fournisseurs de marins. Et il y a également plus de 2 millions d'emplois indirects dans le maritime. Notons aussi que les trois premières compagnies de transport sont européennes, de transport de cargo, pardon, de containers. Et également, dans les services maritimes, l'Europe et la France sont très bien placées, notamment en ce qui concerne la pose de câbles, l'offshore et les énergies renouvelables. Donc maintenant, nous allons faire un rapide focus sur la stratégie européenne de transport maritime qui s'était appuyée sur des valeurs clés qui sont le développement durable, la croissance économique, l'ouverture des marchés dans un cadre de concurrence loyale et des normes sociales et environnementales élevées. Aujourd'hui, à travers le rapport d'étape qui a été produit l'année dernière et qui, sachant que l'année 2017 est l'année du maritime au niveau de la Commission européenne, on peut considérer, elle a rendu son rapport et nous a donné quelques éléments sur les endroits où il y avait des marges de progression. Donc au niveau de la sécurité maritime, beaucoup a été fait et on a beaucoup évolué là-dessus à partir des normes internationales. En Europe, on a en particulier le MSA qui a été renforcé, qui permet de faire de l'accompagnement des autorités nationales et de la formation. Alors le MSA, je vous précise, c'est l'Agence européenne de sécurité maritime qui est en charge des contrôles, entre autres, hein, des navires. Et elle met également en place différents outils opérationnels de suivi de l'activité maritime. Le deuxième objectif, donc concernant la sécurité, il y a de moins en moins de navires poubelles dans les eaux européennes, donc on peut considérer que l'objectif principal est atteint, mais comme vous le verrez par la suite, il y a quand même des marges de progression. En ce qui concerne les objectifs environnementaux, l'objectif de long terme était zéro déchet, zéro émission. Or, on en est clairement loin, même si l'UE est précurseur dans un certain nombre de domaines, comme par exemple le système de mesure des émissions de CO2 qui a été mis en œuvre et qui sera opérationnel en 2018, et également sur d'autres dispositions qui sont en lien avec la convention MARPOL sur la protection de l'environnement. Il faut noter que, par exemple, concernant les installations portuaires, on n'a pas beaucoup progressé, même si le cadre législatif est présent. Sur la dimension sociale, maintenant, il y a eu des avancées avec la transposition de la Convention sur le droit du travail maritime, la Convention du travail maritime, pardon. Et cette convention constitue un socle minimal de dispositions. Donc ces dispositions, elles sont intéressantes, mais malgré la mise en œuvre de cette directive depuis 2013, en fait, on constate une baisse du nombre de marins en Europe, et donc un véritable dumping social dans ce secteur. Pour le CESE, globalement, il y a eu des avancées juridiques importantes, mais des difficultés et des disparités d'application entre États membres, et une question sociale qui est largement négligée. Nous allons vous parler, juste vous faire une brève présentation de la gouvernance internationale. Donc elle s'appuie sur l'OMI, qui est un organisme qui édicte des normes à destination des pays qui signent les conventions qu'elle propose. Elle est organisée en groupe de travail. Il y a un groupe de travail, par exemple, qui s'occupe du climat. C'est le rapport des forces qui est en œuvre dans ces groupes n'est pas évident, puisque vous avez les États
théoriquement, qui ont chacun une voix. Et il y a un certain nombre d'acteurs qui ont des statuts d'observateurs, comme la Commission européenne, ainsi que des ONG et les syndicats. Donc on peut dire que globalement, les États, certains États du pavillon, notamment qu'on a vu, plus les, comment dirais-je, les principaux groupes professionnels, c'est eux qui pèsent le plus, notamment les croisiéristes, qui sont très écoutés dans cette instance. Au niveau de l'OIT, l'OIT, en fait, elle a mis en œuvre, elle a adopté la Convention de travail maritime en 2006. Et cette OIT est constituée justement de représentations des syndicats, des professionnels, ainsi que des États. Donc là, la gouvernance est certainement beaucoup plus simple. La MLC 2006, sous son sigle, était entrée en vigueur en 2013. Et maintenant, en ce qui concerne l'Europe met effectivement en place un certain nombre d'outils, elle transpose relativement rapidement les prescriptions internationales. Et je voulais juste rebondir sur un point qui est souligné ici. On voit une directive soufre, et en fait, c'est à travers cette directive-là qu'on a instauré en mer du Nord, en Baltique et dans Manche, une zone de contrôle des émissions de soufre liées au transport maritime. Donc on en parlera par la suite, donc je ne vais pas développer plus. Donc maintenant, nous allons attaquer le cœur de notre sujet, à savoir tout ce qui concerne le développement durable. Donc, je voulais juste auparavant vous préciser quelques points. Nous avons constaté que, dans le petit film, que c'est un moyen de transport extrêmement efficace, qui d'autre part, et en termes d'émissions de CO2, est 5 fois plus performant que le routier et 13 fois plus que l'aérien. Mais par contre, il utilise un fuel qui est un résidu de la distillation du pétrole et donc qui est extrêmement nocif. Donc ce fuel, lorsqu'il est brûlé, émet énormément de particules. Et en fait, tout ça se passe en général en haute mer, donc loin de nos yeux et loin de notre cœur, si l'on peut dire. Le faible coût de ce carburant est un facteur clé justement de cette industrie et ce qui en a fait un des piliers des échanges internationaux. Cela permet à certains produits d'aller et venir à travers le monde à des coûts qui sont dérisoires. Pour vous donner une idée, un conteneur de Chine à l'Europe, ça coûte, le coût logistique est de 630 euros, le coût moyen 2016, 630 euros. Donc, qu'il soit avec une tonne ou une dizaine de tonnes au maximum. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de marge dans ce secteur. Donc, pour nous, un des principaux enjeux est justement d'informer les citoyennes et les citoyens sur cette réalité. Parce que tous ces produits que nous avons dans nos supermarchés, ils transitent à 90% par la mer. Je voulais juste faire une petite référence. J'ai vu un documentaire qui s'appelle Sea Blind. Si vous avez l'occasion de le voir, il est très intéressant. Donc on peut dire que c'est vraiment ça la réalité. Nous sommes aveugles de la mer et de ce qui s'y passe. Alors, maintenant, nous allons attaquer les différents focus que nous avons proposés dans un esprit de développement durable, c'est-à-dire qu'en intégrant, si possible, les trois piliers, parfois deux uniquement, mais bon, nous allons voir maintenant la partie qui concerne le réseau transeuropéen de transport. Donc, l'objectif de la stratégie était d'achever le marché unique et de développer le transport maritime de courte distance en créant un espace européen de transport maritime sans frontières. Comme vous pouvez le voir sur la carte, bon, déjà, les liaisons courte distance, il n'y en a pas beaucoup, mais on peut penser que de ce côté-là, on n'a pas atteint nos objectifs, qui étaient justement une complémentarité entre les moyens de transport et un principe de cohésion territoriale. Il faut remarquer que les ministres de l'Union européenne des transports qui sont réunis à Malte en fin de mars, ils sont revenus sur cette notion d'espace
maritime, européen de transport maritime, et ils appellent à une meilleure connectivité en matière de liaison maritime, fiable, fréquente, durable, pour prévenir l'isolement et offrir des opportunités de croissance égale aux îles et régions périphériques. Donc, ça nous renvoie à l'actualité aussi guyanaise, quelque part, et je dirais que cette problématique de cohésion territoriale s'applique aussi aux régions ultra-périphériques, bien sûr, mais nous n'avons pas pu le développer dans la vie, sauf de faute d'informations, enfin, on n'a pas eu assez de temps pour le faire. Donc, au niveau de nos préconisations, nous pensons qu'il faut d'abord qu'il y ait une révision, enfin, il va y avoir une prochaine révision du programme transeuropéen de transport, et donc il faut qu'on se positionne par rapport à ça pour garantir une cohésion territoriale. Donc la révision est prévue pour 2023, mais je pense qu'il est important que les États, justement, se positionnent là-dessus, et d'autre part, qu'on réévalue les critères d'attribution des fonds de financement, justement, pour qu'ils aillent aussi vers ces zones périphériques, donc vers cette volonté de cohésion territoriale, mais également vers les liaisons maritimes. Au niveau des programmes d'aide, donc, effectivement, il y avait des programmes d'aide précédents qui existaient, qui aidaient les autoroutes de la mer. Aujourd'hui, depuis 2013, ils sont arrêtés, donc il faut les relancer, pour nous. Et également, il faut revoir les instruments financiers de type Eurovignette, pour qu'ils soient bien fléchés sur le report modal, parce que le report modal est quelque chose d'important, il permet de désengorger les routes, il permet d'éviter des obstacles naturels, etc. Et donc il y a un impact environnemental qui est intéressant. Et on sait également qu'il est possible de soutenir des projets de transport durable du secteur privé à travers le fonds Juncker et la BEI. Donc nous soutenons ces initiatives-là. Donc on va passer au domaine social. Donc, en ce qui concerne le social, on peut dire que c'est la grande oubliée de la politique européenne, puisque la commission Barroso considérait que ce n'était pas un sujet. Alors, il y a bien sûr un enjeu de formation aux évolutions des métiers et techniques des marins en lien avec les outils numériques et l'innovation. La bonne santé économique du secteur maritime ne s'est pas traduite en matière d'emploi. Et le dumping social n'est pas seulement le fait de pavillons tiers, il est aussi interne à l'Union européenne, malgré l'application des conventions et des différentes directives. Pour finir, les conditions de vie et de travail à bord ne sont pas bonnes, donc pour les marins, bon, en général, et il y a des problèmes notamment par rapport au temps de repos et à l'effectivité, les effectifs qui sont prévus sur les bateaux. Donc, comme l'année 2017 est prévue pour être l'année du maritime, il faut afficher une réelle volonté politique si on veut que cette situation change. Et donc, c'est bien de renforcer la lutte contre le dumping social et améliorer la situation de l'emploi maritime en Europe dont il est question. Donc, pour nos préconisations en ce qui concerne l'emploi, nous proposons d'aller vers une véritable politique de l'emploi maritime. Il s'agit notamment de mettre en œuvre un socle de dispositions sociales communes ambitieuses, de réfléchir à la notion d'eau communautaire, c'est-à-dire un espace maritime sans frontières, et de conditionner l'octroi d'aides publiques aux armateurs européens au respect de critères sociaux et environnementaux. Donc, l'achèvement du marché unique, qui était sur des raisons commerciales et sociales et commerciales et économiques, doit se faire aussi sur la partie sociale, doit intégrer la dimension sociale. Justement, sur cette histoire de dumping social, nous considérons qu'il serait important de mener un débat sur le statut, sur les pavillons de complaisance, en lien, au niveau international bien sûr, en lien avec les politiques fiscales agressives bien sûr, et donc les paradis fiscaux. Sur les conditions de travail, en fait, et de vie à bord, là, il est surtout question, puisque la directive a été appliquée en 2013, la directive sur les conditions de travail maritime, pour nous, c'est une question de renforcer les moyens au niveau des contrôles et les outils, et de s'assurer de l'effectivité des temps de repos, par exemple, comme certains peuvent le faire ici maintenant, et de faire évoluer la réglementation sur les effectifs.
Alors, donc, non, mais chacun a son rythme, hein, de toute façon. Alors, en ce qui concerne le démantèlement des navires, c'est un sujet qui est emblématique pour nous parce qu'il recoupe justement les trois dimensions. Donc, vous avez une photo de chantier en Asie, justement, et on voit que c'est la technique du beaching qui est utilisée, à savoir on amène les navires à marée haute et on les amène le plus près possible de la plage, et ensuite les ouvriers travaillent dessus comme ils peuvent. Donc, en fait, la plupart des grands navires, la plupart des navires aciers commerciaux sont démantelés en Asie. C'est 95% des navires qui sont démantelés là-bas. Il faut dire que ça a des effets dévastateurs sur le plan sanitaire et environnemental. Et l'UE estime que c'est à peu près... Donc les chiffres sont très vastes, mais on parle d'entre 40 000 et 1 million de tonnes de produits toxiques. Donc on parle d'amiante, de PCB, de plomb, de métaux lourds qui sont exportés en fait par l'Europe vers ces sites. Donc il y a quand même un réel problème parce que c'est des déchets. Le secteur se caractérise le plus souvent par des conditions de travail inacceptables et inhumaines. Conditions de vie dégradantes, logements insalubres, pas de protection sociale, pas de sécurité, pas d'infirmerie ou alors des moyens dérisoires. Quand il y a des accidents, les gens ils peuvent être encore en vie, mais ils ne pourront pas être transportés parce qu'il n'y a pas d'ambulance, il n'y a rien. Et d'autre part, il n'y a pas forcément de contrat de travail, donc ce qui veut dire que le chef de chantier se dégage de sa responsabilité. Si quelqu'un meurt, ben, c'est plus son problème. La communauté internationale a adressé une réponse qui est largement insuffisante là-dessus. L'OIT a qualifié le démantèlement de navires d'une des professions les plus dangereuses au monde. L'OMI a adopté une convention, la convention de Hong Kong, en 2009, qui a été ratifiée aujourd'hui par 6 pays, la France et la Belgique pour l'Europe. Donc, en ce qui concerne nos préconisations, nous appelons bien sûr à une ratification large de la Convention de Hong Kong, et en particulier au niveau européen, ça c'est un point important. Il faut également organiser la transparence de cette filière sur les navires en fin de vie, afin de pouvoir faire un suivi de ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs intermédiaires entre le moment où un armateur se débarrasse d'un navire et le moment où il va être démonté sur une plage ou dans un site improbable. Finalement, il faut aussi compléter la législation européenne sur le sujet. Je crois qu'il y avait un projet au niveau du Parlement européen de licence de recyclage, et celui-ci est intéressant, même s'il pose un certain nombre de problèmes aux armateurs. En ce qui concerne le développement d'une filière européenne de navires, de démantèlement, en fait, pour nous, il s'agit de mettre en place, toujours pareil, avec l'aide du plan Juncker, un programme européen pour favoriser les investissements privés dans ce secteur, et ensuite travailler sur l'émergence d'un label européen, développement durable du transport, dans lequel le recyclage serait l'une des composantes. De toute façon, cette histoire de label, on va le retrouver après, mais on se rend compte qu'il y a un réel besoin pour les professionnels qui veulent faire du bon travail, d'être reconnus dans leur effectivité, dans leurs efforts. Alors, maintenant, sur la partie, les impacts environnementaux du secteur. Sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, donc nous allons traiter deux sujets, nous allons avoir abordé plusieurs en section, mais nous allons les éliminer. Là, on va parler des émissions, enfin les éliminer, c'est-à-dire on les met de côté, vous les lirez dans le rapport si vous avez le courage. Et on va s'occuper des émissions et on va également parler d'innovation, parce que les deux sont en lien. Donc en ce qui concerne les émissions, pour la partie GES, gaz à effet de serre, et CO2. On sait qu'aujourd'hui, les émissions mondiales de CO2 du transport maritime représentent à peu près 3%. Un peu moins, un peu plus, bon. Mais il y a une progression de 66% entre 90 et 2012. Par contre, les prévisions d'augmentation, si on ne fait rien, sont de 250% à l'horizon de 2050. On sait que l'OMI a mis en place un certain nombre de mesures pour améliorer l'efficience des navires, le rendement énergétique, et donc je le détaillerai dans l'innovation, mais ces mesures sont censées apporter des gains de 40 à 60%, voire un tout petit peu plus,
à l'horizon 2050, justement. Donc là, on voit bien que si on est sur une marge de, une tendance de 150% ou 200%, on n'arrivera pas à baisser les émissions du secteur en valeur absolue. Et c'est pourtant ça l'objectif. L'autre sujet concernant les émissions, c'est le rejet de polluants atmosphériques. Donc on parle à ce moment-là de suie, qui sont cancérigènes, d'oxyde de soufre, qui provoquent des maladies respiratoires, d'oxyde d'azote, qui peuvent provoquer des décès, du fait qu'ils interagissent avec l'oxygène du sang, ainsi que des particules fines, qui elles aussi ont un impact au niveau respiratoire. Tout ça, c'est dû à l'utilisation du fioul lourd. Le fioul lourd, comme on le disait tout à l'heure, c'est un résidu et il contient beaucoup de soufre. Donc aujourd'hui, on considère, certaines études montrent que, à travers ces gaz d'échappement, les gaz d'échappement du transport maritime seraient responsables de 60 000 décès par an en Europe, prématurés, et coûteraient environ 58 milliards d'euros au service de santé. Alors, au niveau de nos préconisations, en ce qui concerne les émissions du secteur, la dimension internationale est importante, donc il faut suivre les travaux de l'OMI sur la stratégie qui a été adoptée à la fin de l'année 2016, et notamment la stratégie provisoire qui doit commencer en 2018. Donc pour le moment, d'après ce que j'ai compris, c'est une coquille vide, et donc il faut que dedans arrivent des propositions, parce que la stratégie définitive doit être adoptée en 2023. Donc, vous voyez le glissement, ce qui veut dire que 2023, ça sera certainement pour des engagements quelques années après. Nous soutenons à ce titre la proposition du Parlement européen pour la prise en compte des émissions du secteur maritime dans le marché carbone européen, parce que même si les professionnels sont opposés à cette mesure, parce qu'elle s'applique aux navires européens, elle a un effet de levier, et du coup ça peut faire bouger certaines lignes en mettant la pression justement sur certains pays qui ne veulent pas aller dans ce sens. En ce qui concerne une mesure simple qui peut être prise, c'est la limitation de vitesse des navires. On peut imposer ça à tous les navires dans certaines parties des mers européennes en proposant, selon le type bien sûr d'activité, des réductions. Il faut dire que pendant la crise où le taux de pétrole, le niveau du pétrole était très cher, il y a certains navires, donc les gros porte-containers, qui ont réduit jusqu'à 75% leurs émissions de CO2. Alors, en ce qui concerne, alors oui, aussi, j'ai oublié d'en parler, mais il faut aussi poursuivre la mise en place de zones d'émissions contrôlées. Ces zones contrôlées, en fait, il faut faire une demande et elles sont portées à l'OMI avec les pays riverains, et ensuite l'OMI l'adopte, et ça permet d'avoir à ce moment-là des taux d'émission de 0,1% de soufre au lieu des 2 ou 3% qu'il y a aujourd'hui sur le carburant standard. Et ça oblige à utiliser des navires, soit avec un autre carburant, soit avec des scrubbers, enfin des filtres extrêmement performants. Donc il y a une proposition justement de la France, enfin la France porte une proposition pour en créer une en Méditerranée de l'Ouest, avec les pays riverains. En ce qui concerne l'innovation, comme je vous disais tout à l'heure, parmi les normes et les mesures techniques que propose l'OMI, il y en a certaines qui concernent les bateaux neufs, comme par exemple la nouvelle conception de coque, des nouveaux revêtements, des motorisations différentes, également de nouveaux carburants. Par contre, ça concerne aussi les opérations, les mesures opérationnelles, c'est-à-dire un meilleur routage, la limitation de vitesse ou d'autres sujets de ce genre. Donc par rapport à ces différents éléments, comme je vous l'ai dit, on peut espérer des réductions de l'ordre de 60%
par effet cumulé, et ça ne sera pas suffisant pour aller beaucoup plus loin. Par contre, c'est pour ça que nous pensons aussi qu'il faut aller vers de nouveaux modes de propulsion et d'injecter de nouvelles technologies comme ce qu'on appelle appui vélique, c'est-à-dire utiliser l'énergie éolienne qui peut faire gagner 10 à 15% dans la traversée transocéanique, ou les énergies renouvelables comme le photovoltaïque pour les auxiliaires, pour les moteurs auxiliaires, notamment quand les bateaux sont à quai. Donc nos propositions sont effectivement de soutenir les investissements en recherche et développement sur l'efficacité énergétique, mais aussi sur les nouveaux modes de propulsion, les nouveaux carburants et les énergies renouvelables, notamment pour les auxiliaires. Également, de promouvoir les initiatives, alors ça c'est un point qui est important, promouvoir les initiatives des armateurs européens en matière de labellisation du transport maritime, sur la base de critères développement durable, et bien sûr communiquer autour de cette empreinte RSE auprès du public, pour qu'on ait une vision du transport, que le produit intègre la vision du transport dans sa totalité, la chaîne logistique. Alors, en ce qui concerne les enjeux de sécurité et de sûreté, je vais être assez rapide là-dessus. On en a parlé tout à l'heure, on a vu qu'on avait beaucoup progressé, puisqu'on a beaucoup moins de navires poubelles dans nos eaux. Par contre, il y a une responsabilité des États, puisqu'ils ont signé un certain nombre de conventions, et donc il faut qu'ils aient des responsabilités claires, notamment en ce qui concerne les contrôles. Dans le cadre européen, qui est avancé, et notamment grâce à l'Agence de sécurité européenne, on constate par contre, à travers les différents rapports qui ont été faits, que d'une part, il y a un manque de transparence sur les évaluations qui sont faites. Ces évaluations sont en moyenne sur l'ensemble des pays de l'Europe. Elles ne sont pas accessibles au public, donc elles sont réservées aux directions concernées des services des différents États. Et on ne peut pas savoir finalement ceux qui font des efforts et ceux qui n'en font pas. Donc du coup, c'est très limité au niveau de l'impact sur l'évolution de la prise de conscience, puisque c'est un entre-soi en fait qui est préservé. D'autre part, on constate que ces contrôles ne sont pas harmonisés au niveau européen, qu'il y a de très fortes disparités sur plusieurs domaines, par exemple sur les émissions, on parlait des émissions de soufre dans les zones contrôlées, ça peut aller de 800 euros une amende de 800 euros pour un navire qui est contrevenant dans les pays baltes et 200 000 euros en France. Il faut savoir que si on parle d'un navire, un gros navire consomme 80 tonnes de fuel lourd par jour, à raison, je pense que le prix doit être entre 500 et 1000 euros la tonne de fuel lourd. Donc ça vous fait 80 000 euros versus 800 euros pour une amende. Donc, vous ferez vite le calcul. J'ai un petit point sur la question de la perte de conteneurs, qui est un sujet émergent sur lequel il y a du travail à faire. On le verra au niveau des préconisations. Donc, en ce qui concerne les préconisations, pour nous, ce qui est important, c'est de renforcer les contrôles de l'état du port en harmonisant la mise en œuvre des contrôles à travers l'Europe, ainsi que les procédures de sanctions et le niveau des pénalités. Il faut également mieux prendre en compte la dimension sociale dans les contrôles réalisés, sachant qu'aujourd'hui, il y a eu une première mesure qui a été faite, les résultats ne sont pas encore disponibles. Cette mesure a été faite par le mémorandum de Paris, c'est la France qui était animateur de ce groupe de travail. Également, en ce qui concerne, sur cette partie-là, il y a un point qui est important. L'Agence de sécurité maritime a certainement besoin d'avoir des moyens qui sont renforcés, surtout qu'elle risque de fédérer les agences de contrôle, les gardes-côtes, la fonction garde-côtes. Mais d'autre part, elle joue un rôle auprès des pays tiers. Et c'est quand même dommage qu'on ne l'utilise pas plus vis-à-vis des territoires d'outre-mer et des régions ultra-périphériques qui, par exemple en France, la France peut choisir ou non d'appliquer la législation européenne à ces territoires. En ce qui concerne la problématique de la perte de conteneurs, le cadre européen est peut-être insuffisant, donc il faut l'évaluer, voir quelle est la problématique exacte, puisqu'il y a un certain nombre de conteneurs qui sont perdus et ils peuvent contenir des matières dangereuses. Donc il y a vraiment une question de traçabilité qui est à remonter en cas de perte.
Alors, pour finir, donc, on va vous parler rapidement de gouvernance et de transparence. Donc, on peut dire que dans le transport maritime, la transparence ne va pas de soi et la participation de la société civile non plus. La gouvernance du transport maritime est relativement opaque. Je pense que, justement, nous, le CESE, on est dans notre rôle en portant un avis sur ce sujet, parce qu'on montre qu'il y a quand même des possibilités d'avancer et d'avoir un avis pertinent sur cette activité qui est, vous l'avez vu, bien technique et complexe. Les États aussi peuvent être ambivalents dans leur position. Ils vont défendre des positions à la COP de Paris, par exemple, ou au niveau des agendas à l'ONU, au niveau des agendas du développement durable, et avoir des positions complètement contraires à l'OMI, puisque là, ça se passe entre experts. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et pour finir, au niveau européen, il y a beaucoup d'outils qui existent, financiers, réglementaires et autres. Et en fait, c'est une volonté politique qui manque, et à la Commission et aux États membres, si on veut avancer sur ce sujet. Donc nos préconisations sur ce point sont relativement simples. Il s'agit pour nous de renforcer la coopération des institutions européennes avec les organisations de la société civile et soutenir leurs actions auprès de l'Union européenne, bien sûr, et de l'OMI. Il faut favoriser l'accès aux données et aux rapports et évaluations détaillées, qui est un levier important justement pour faire bouger les lignes et mieux prendre en compte les problématiques de chaque État aussi. Parce qu'aujourd'hui, tout ça, finalement, ça se joue entre la Commission et l'État en question. Garantir une meilleure coordination aux différents intervenants institutionnels, notamment en Europe, puisqu'on a l'Europe qui intervient en tant qu'observateur à l'OMI, mais c'est les États qui sont censés voter ou approuver les textes. Et également, sur un autre plan, nous soutenons les efforts de la Commission pour promouvoir la ratification et la mise en application de toutes les conventions internationales. C'est une question de solidarité européenne. La transparence est un des leviers qui doit permettre de faire évoluer la position des États. En conclusion, l'émergence d'un modèle européen partagé par les différents acteurs et fondé sur des normes et pratiques vertueuses doit servir de moteur pour entraîner d'autres États à adopter des standards élevés. L'Europe est bien un laboratoire d'innovation et de bonnes pratiques, s'appuyant sur l'adhésion des parties prenantes et sur une approche intégrée des trois piliers du développement durable. Elle doit pouvoir garder ce rôle moteur au sein de la communauté internationale et avancer sans mettre en péril ses propres équilibres au regard de la concurrence mondiale. Ce sujet, comme vous pouvez le voir, pourrait susciter beaucoup d'autres sujets complémentaires. Nous en avions identifié un certain nombre, comme la question des eaux communautaires que nous avons évoquée au niveau social. Je pense, c'est une question qui nous a été posée par des journalistes ce matin, l'évolution du transport en général et l'évolution stratégique, comment vont être les échanges en 2030 ou en 2040? Est-ce que c'est toujours l'Europe qui va drainer cette grosse partie du trafic ou pas? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont devant nous. Et que je vais laisser à quelqu'un d'autre le soin de finir. Alors, je tiens à remercier très chaleureusement, donc nous avons fini notre traversée, donc nous sommes arrivés à bon port, apparemment. Je ne sais pas si on est dans les temps, mais bon. Je remercie particulièrement le capitaine du navire, le président Cambacérès, n'est-ce pas, pour sa bienveillance. La section qui a été parfois chahuteuse, mais finalement le navire a tangué, mais on a réussi à avancer. Et l'équipage sans qui ça n'aurait pas été possible, à savoir Marion, Basile, Valentina et Mercedes. Et je remercie également toutes les personnes présentes. Merci à vous. Donc merci au capitaine de navire, Jacques Bell, pour la présentation de cet avis. Nous allons donc appeler les différents groupes. Je vais appeler donc Jacques Técher de CGTFO, s'il vous plaît. Groupe CGTFO, Jacques Técher. Inscrit dans un calendrier propice, puisque 2017 est l'année
européenne du transport maritime permet de faire un bilan sur la stratégie 2009-2018 de la Commission européenne. Il pointe à la fois les avancées et les faiblesses de cette politique qui s'appuie sur une législation intégrée. Le transport maritime et la conteneurisation sont au cœur des échanges commerciaux internationaux. Aujourd'hui, plus de 90% du commerce mondial passe par la mer. Cette part est de 70% en Europe. Près de 90 000 navires sillonnent le monde et de plus en plus de porte-conteneurs. Leur nombre a en effet été multiplié par 9 en 10 ans pour atteindre 5 000 en 2015. Dans ce contexte, la sécurité des personnels et des navires devient un enjeu de sécurité puisqu'une perte importante de conteneurs entraîne des dégâts écologiques importants. De plus, cette progression du transport maritime se fait dans un contexte d'explosion des pavillons de complaisance afin de bénéficier des législations fiscales les plus favorables et des normes sociales et environnementales les moins disantes. Selon la Fédération internationale des ouvriers du transport, les gens de la mer sont les premiers à pâtir de cette dérégulation. Or, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, près de 73% des navires de la flotte mondiale naviguent sur le pavillon d'un autre pays. La France a ainsi choisi les îles Kerguelen pour les navires marchands et Wallis et Futuna pour les bateaux de croisière. Ainsi, un leader français du transport maritime, CMA-CGM, dispose d'une flotte de 430 navires, dont 22 battent sous le pavillon français. Pour le groupe Force ouvrière, il est urgent de repenser la politique maritime européenne et d'œuvrer pour une réglementation internationale plus juste, plus équilibrée et plus respectueuse des droits sociaux des gens de la mer. Comme cet avis le note, il est essentiel de renforcer les moyens mis en place afin de leur garantir de meilleures conditions de travail. Pour combattre le dumping social et fiscal, il est essentiel de combattre les pavillons de complaisance. De même, pour le groupe Force ouvrière, il est important qu'un socle européen plus ambitieux soit mis en place. Le groupe Force ouvrière soutient cet avis lorsqu'il dénonce la délocalisation des opérations de démantèlement de navires vers des chantiers qui ne respectent ni les normes sociales ni les normes environnementales. Notre groupe adhère également à la proposition de développement d'une filière européenne, voire même française, de déconstruction navale. Le rapport, dans ses préconisations, promeut une stratégie basée sur une méthodologie de transparence par une information plus ciblée des organismes en charge de l'évaluation et du contrôle de la politique de la mer. Et ces approches doivent être renforcées par une volonté politique européenne ambitieuse d'harmonisation des pratiques professionnelles. Le groupe FO vote en faveur de cet avis. Madame Patricia L'Excellent du groupe de la coopération. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la question du transport maritime est stratégique et indissociable du commerce international. 90% des marchandises sont transportées par voie maritime dans le monde, dont 70% dans les eaux européennes. Dans la perspective de la révision de la stratégie européenne de transport maritime lancé à l'été 2016, notre travail questionne cette politique au regard des enjeux du développement durable. Sur l'impact environnemental, rapporté à la tonne transportée, ce mode de transport reste le plus écologique avec 2,6% des émissions totales de CO2, 5 fois moins que le transport routier. Le fioul lourd demeure le carburant le plus polluant, à l'opposé de la propulsion vélique qui pourrait faire économiser 30% de carburant. Nous soutenons donc la volonté d'adopter des modes de propulsion et des carburants plus respectueux de l'environnement et les recommandations liées aux questions des déchets et du démantèlement des navires.
Concernant la situation sociale, le nombre de marins européens est en baisse constante et le dumping social est à l'œuvre. Les conditions de vie et parfois de survie des gens de mer ont certes considérablement évolué, mais un traitement souvent inhumain perdure à bord de navires battant pavillon de complaisance. Si la Convention de l'OIT sur le travail maritime a pu être transposée en droit européen, l'application en reste, hélas, très inégale et peu contrôlée. Cependant, le travail du marin évolue aussi avec les nouvelles technologies et le numérique. Ces qualifications seront de plus en plus recherchées, d'où l'importance de la formation professionnelle du marin New Tech et la reconnaissance mutuelle des diplômes en attendant l'apparition déjà annoncée du navire connecté. Les enjeux de cohésion territoriale nous semblent essentiels. Le réseau transeuropéen de transport reste inachevé et n'a pas favorisé suffisamment le transport maritime de courte distance, les autoroutes de la mer et l'intermodalité. Nous avons surtout vu l'engorgement des camions et des autoroutes terrestres. La révision du réseau transeuropéen en 2023 devra désenclaver la façade atlantique française et espagnole, tout comme son axe est-ouest, et engager enfin la réhabilitation des voies navigables intérieures européennes. Un dernier rêve en guise de conclusion, celui du pavillon européen, contenu en filigrane dans cet excellent avis. Ce vieux projet était destiné à freiner les départs massifs de navires de pays membres de la communauté sous des pavillons de complaisance. Puisse notre avis contribuer à avancer sur cette voie. Le groupe de la coopération votera en faveur du projet d'avis. Merci. Monsieur Christian Niborel, du groupe des entreprises. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les conseillers. Aujourd'hui, il a été rappelé plusieurs fois, 90% des marchandises transportées dans le monde transitent par la voie maritime. Le transport maritime est donc au cœur des échanges commerciaux. Pourtant, alors que ces échanges ont progressé en 2016, cette même année, le transport maritime a vécu une période extrêmement difficile. Taux de fret au plus bas, sur capacité, faillite de petites et grandes sociétés et exercice déficitaire pour l'essentiel des acteurs. Il aurait d'ailleurs été nécessaire, à notre sens, de mieux mettre en évidence le poids économique de ce secteur ainsi que son dynamisme. La France possède le numéro 3 mondial du secteur et de nombreuses compagnies familiales et PME. Comme l'indique l'annexe à l'avis, ces compagnies sont tournées vers le quality shipping avec un pavillon français plus sûr, respectueux de l'environnement et des normes sociales élevées. Ce choix positif crée aujourd'hui un différentiel de compétitivité qu'il faut prendre en compte dans nos recommandations. Dans un environnement international fortement concurrentiel, nous devons donc prêter une attention particulière à ces entreprises et ne pas altérer leurs conditions d'exploitation. Pour se différencier, elles doivent dès aujourd'hui investir dans les nouvelles technologies, réorienter et former les marins aux nouveaux modes de navigation qui s'appliqueront à eux dans les prochaines années. Cette proposition, bien que présente dans le projet d'avis, aurait mérité d'être approfondie en n'hésitant pas à s'extraire des schémas actuels. Comme nous l'avons vu en audition, certains pays sont déjà beaucoup plus avancés que nous en termes d'innovation et de formation, et nous ne devons pas manquer ce virage technologique. Par ailleurs, le niveau d'exigence normative fixé aux entreprises françaises de transport maritime fait qu'elles souffrent d'une distorsion de concurrence par des pavillons tiers de l'UE, mais également au sein de l'UE. Le rapporteur a d'ailleurs traité de ce sujet et propose de renforcer les contrôles. Nous ne pouvons, bien entendu, que souscrire à cette proposition afin de mieux identifier les compagnies qui ne respectent pas ces règles. Corrélativement, il est également indispensable d'améliorer et de développer la compétitivité des infrastructures portuaires permettant aux navires de décharger dans de bonnes conditions et de réduire leur impact sur l'environnement. Aujourd'hui, nos ports sont en perte de vitesse économique. Il faut que cela cesse. L'amélioration de la chaîne logistique, en particulier au travers des infrastructures d'interconnexion, est également vitale pour retrouver le dynamisme économique de la filière. Nous avons plus de réserves sur la partie liée au démantèlement et aux pollutions. En effet, les armateurs français ont fait beaucoup de progrès et ont investi pour améliorer leur performance en la matière. Aussi, plutôt que de chercher à les pénaliser, il est indispensable de les inciter à continuer à porter une attention particulière sur ces questions. La RSE pourrait être un moyen. Cela passera aussi par le développement d'une filière européenne de démantèlement des navires. Enfin, deux points particuliers ont attiré notre attention.
La question de la conditionnalité des aides, que l'on ne pourrait envisager que si les critères sont objectivement prédéfinis, lisibles et évaluables, et surtout s'ils sont adaptés aux entreprises concernées. La responsabilité élargie des industriels, comment pourrait-elle s'appliquer dans ce secteur sans pénaliser nos chantiers ou nos compagnies? Cela ne pourrait donc être envisagé qu'au niveau mondial. Au final, le groupe des entreprises votera cet avis. Merci. Et j'ajouterai, si je peux me le permettre, monsieur le rapporteur et monsieur le président, la qualité de nos échanges que j'ai particulièrement appréciés sur le fond et sur la forme, au-delà de nos différences. Merci. Merci. Monsieur Bruno Gentil, du groupe Environnement et Nature. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Président de la Commission TEN du Comité économique et social européen, chers rapporteurs, chers collègues. Ce projet d'avis est important à plusieurs titres. D'une part, parce qu'il est une contribution de notre Assemblée à la politique communautaire, et d'autre part, parce qu'il traite de la plus grande partie de la terre, à savoir la mer. Le transport maritime, Jacques Bell l'a rappelé, c'est 90% du transport de marchandises dans le monde, dont 70% dans les eaux européennes, en incluant les outre-mer, où les enjeux sont particulièrement importants. Loin des yeux, ce type de transport est au cœur de notre consommation quotidienne. L'essentiel des matières premières et des biens de consommation que nous achetons sont acheminés par voie maritime. Le faible coût du carburant fait de cette industrie un des pivots des échanges commerciaux dans le monde. Pourtant, les impacts environnementaux, sociaux et sanitaires, notamment pour les salariés et les voyageurs, sont méconnus. Chaque année, en Europe, les gaz d'échappement des navires de transport causent près de 60 000 décès prématurés et coûtent 58 milliards d'euros aux services de santé. Par exemple, les émissions de soufre des 20 plus grands porte-conteneurs équivalent à celles du parc automobile mondial. L'espace maritime, souvent réduit à une simple infrastructure utile aux navires, est d'abord un espace naturel dont la richesse doit être préservée et aussi un espace de travail international. Afin d'adapter ce transport maritime aux objectifs du développement durable et aux engagements de l'accord de Paris, nous insistons sur la nécessité, décrite dans ce projet d'avis, d'une réelle transparence du secteur, du contrôle des émissions, de la réduction des déchets, de l'amélioration de la qualité des carburants et de la création d'une filière européenne de démantèlement des navires, plus protectrice de la santé des travailleurs et de l'environnement. Et on aurait d'ailleurs des pistes intéressantes pour que le développement durable ne soit pas chaque pilier reniant un peu ses prérogatives, mais en additionnant des atouts environnementaux, des atouts économiques et des atouts sociaux, en ayant une filière européenne championne du démantèlement et de la construction de navires. Nous appuyons également le soutien apporté par ce projet d'avis à la position du Parlement européen en faveur de la prise en compte du secteur maritime dans le système communautaire d'échange de quotas d'émissions de CO2. Nous saluons enfin l'urgence de mettre en œuvre un socle européen ambitieux de dispositions sociales harmonisées vers le haut, sans barrières ni dumping social, qui n'ambitionne pas uniquement la facilitation, la fluidification du trafic et sa simplification administrative. Les marges de progrès sont donc à l'échelle des océans immenses. Sans surprise, vous êtes au bout du suspense, mais vous l'avez compris, nous voterons cet avis. Merci. Merci. Monsieur Stéphane Junic, pour le groupe de la Mutualité. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Sénateur, chers collègues, l'Europe peut s'appuyer sur une forte tradition maritime. Elle dispose d'atouts, d'un potentiel énorme, et qui, d'ailleurs, la positionne comme parmi les premières puissances maritimes mondiales en ce qui concerne le transport maritime. La stratégie européenne de transport maritime à l'horizon 2017 est par conséquent cruciale pour renforcer la compétitivité, mais aussi la durabilité de ce secteur qui représente un mode de transport efficace, vous l'avez souligné Jacques, mais également un mode de transport d'avenir. Et l'objectif de notre projet d'avis vise, dans le cadre de la révision de cette stratégie, à mettre en avant les dimensions sociales et environnementales jusqu'alors trop souvent négligées. Le groupe de la Mutualité soutient l'objectif poursuivi dans le projet d'avis d'harmoniser par le haut les réglementations sociales qui constituent aujourd'hui un facteur de concurrence déloyale. Et à ce titre, la lutte contre le dumping social doit s'inscrire dans le cadre de la construction
d'une Europe dotée de droits sociaux qui, je vous le rappelle, a fait l'objet d'un avis il y a quelques semaines de notre part. Améliorer les conditions de travail, remédier à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, mettre en place des mesures en matière de qualification professionnelle constituent dès lors des priorités pour la politique en matière de transport maritime. La formation doit à la fois jouer sur les notions de sécurité, de nouvelles technologies et de nouvelles techniques, ainsi que sur une meilleure connaissance des enjeux environnementaux. Mais je souhaite insister sur le volet de santé environnementale, car la lecture du projet d'avis est sidérante. Selon une étude, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, 60 000 décès prématurés seraient causés en Europe chaque année par les émissions des polluants atmosphériques liés au transport maritime et coûteraient 58 milliards d'euros aux différents services de santé. Les populations les plus exposées, hormis les gens de la mer, sont les habitantes et les habitants des régions côtières. Par ailleurs, les pollutions diverses, marées noires, dégazages, débalstrages, sont responsables de dégâts considérables sur la flore et la faune marine, mais aussi sur la santé humaine. Les impacts économiques sont par ailleurs conséquents. Il faut donc agir, et agir vite, en renforçant la recherche et la collecte d'informations sur les dommages causés par ces pollutions, mais aussi en imposant une réglementation européenne efficace. Comme vous le soulignez, monsieur le rapporteur, l'innovation peut jouer ici un rôle très important, car elle permet d'améliorer d'une part les conditions de travail des professionnels de la mer, mais aussi de favoriser des technologies plus respectueuses de l'environnement. Le navire de demain doit devenir un navire plus économe, plus propre et bien sûr plus sûr. La garantie d'une concurrence équitable dans un contexte mondialisé nécessite la recherche d'un cadre protecteur pour les gens de la mer en termes de formation, d'emploi, mais aussi de protection sociale. Elle exige aussi la prise en compte de l'impact environnemental et la mise en place de mesures pour réduire l'ensemble des émissions et des déchets. Sur ces deux points de vue importantes, le projet d'avis fait des préconisations au niveau européen qu'il sera indispensable de défendre également au niveau mondial. C'est pourquoi le groupe de la Mutualité votera cet avis. Merci. Madame Emmeline Weber, organisation étudiante et mouvement de jeunesse. Monsieur le Président, chers collègues, l'Union européenne permet-elle véritablement de protéger ses citoyens, ses travailleurs, l'environnement ? À nouveau, notre Assemblée est amenée à se poser cette question et à nouveau, le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse l'affirme. Nous pensons que oui. Oui, l'Union européenne peut protéger ses travailleurs, en l'occurrence les gens de mer, et oui, l'Union européenne peut protéger l'environnement. Dans un contexte où le projet européen est mis à mal, 60 ans après la signature du traité de Rome, nous sommes fiers de faire partie d'une assemblée qui pense que l'Union européenne peut apporter des solutions. Avant d'évoquer les préconisations qui nous semblent majeures dans cet avis, nous souhaitons insister sur un point. L'avis mentionne plusieurs mesures pour un transport maritime plus vert. Mais un transport maritime plus vert, c'est d'abord moins de transport maritime. N'oublions pas ce qui est transporté. Du pétrole, des produits pétroliers, du charbon, du minerai de fer. Autant d'énergies fossiles sans lesquelles nous devons désormais nous préparer à vivre. Les navires transportent également des céréales, des produits alimentaires et des produits de consommation de tous les jours. Rappelons-nous de tout ce que nous avons voté dans nos précédents avis, à savoir notre volonté de produire et de consommer davantage local, de créer des emplois non délocalisables dans nos territoires et d'inscrire réellement la France et l'Union européenne dans la transition écologique. Transition par ailleurs présente dans nos axes stratégiques. Parmi les différentes préconisations de ce projet d'avis, nous souhaitons souligner deux volets, le volet social et le volet environnemental. Concernant le volet social, nous soutenons les propositions qui visent à lutter contre le dumping social par des normes sociales harmonisées vers le haut. Pour cela, appliquons vraiment ce qui existe. Nous soutenons la proposition de poursuivre la mise en œuvre de la Convention du travail maritime de 2006. Nous soutenons également la mise en œuvre d'un socle ambitieux de dispositions sociales communes, ce qui fait écho à l'avis du CESE relatif à la construction d'une Europe dotée d'un socle de droits sociaux. Concernant le volet environnemental, nous soutenons l'ensemble des propositions qui visent à réduire l'impact environnemental du transport maritime existant, mais souhaitons souligner l'importance de créer une filière européenne de démantèlement des navires. Comment accepter que cette activité soit encore réalisée dans l'Asie du Sud et dans des conditions qui nuisent et aux travailleurs et à l'environnement via les substances toxiques ? Comment accepter que l'espérance de vie moyenne d'un ouvrier de chantier du recyclage en Asie du Sud soit estimée à 40 ans ? L'Union européenne
doit protéger ses travailleurs, mais également ceux des autres pays. Nous tenons à féliciter notre rapporteur, cher Jacques, et l'administration pour ce travail autour d'un sujet aussi technique que fondamental. Le groupe votera favorablement à l'avis. Merci. Monsieur Sosefo Suve, du groupe Outre-mer. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Président de la section, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, la stratégie de transport maritime de l'Union européenne jusqu'en 2018 a tout autant pour vocation d'adapter les liaisons maritimes aux exigences de l'économie mondiale que d'encadrer les ressources humaines et d'armer la flotte européenne pour faire face à la concurrence étrangère. L'avis qui nous est soumis met en lumière les défis que la Commission et les États doivent encore relever à l'heure où les travaux de révision ont commencé. Nous partageons les principales recommandations proposées dans cet avis, comme le nécessaire besoin d'adopter les mesures en faveur de l'emploi, de la formation au métier de la mer et la juste protection des travailleurs, le renforcement des règles afin de limiter l'impact environnemental du transport maritime. Mais alors que la politique maritime intégrée fixait les objectifs du développement des potentiels maritimes des régions ultra-périphériques et des îles de l'Union, nous constatons que ces territoires se retrouvent exclus des discussions européennes. Dès lors, comment assurer une croissance inclusive si la stratégie européenne de transport maritime ignore les problématiques d'accessibilité et de désenclavement des routes? 90% des marchandises sont transportées par voie maritime dans le monde, dont 70% dans les eaux européennes et plus de la moitié dans les eaux françaises. Les territoires ultramarins offrent presque 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives à la France. La mer est aujourd'hui au cœur de la mondialisation et c'est une chance inouïe pour l'Union européenne que les Outre-mer français soient l'incarnation d'une présence européenne planétaire. Pourquoi alors les régions ultra-périphériques sont exclues des projets prioritaires et qu'aucune réponse n'est apportée, notamment au développement du transport maritime entre les îles, à la création de plateformes logistiques alors que des grands projets d'infrastructures ont été ou sont menés sur place, à l'intégration des RUP au projet d'autoroute de la mer, ni à l'association au maillage du réseau transeuropéen de transport? Vous avez rappelé, monsieur le rapporteur, les enjeux à venir. Toutefois, nous regrettons que les problématiques maritimes de nos territoires n'aient pas été mises en perspective. Poste avancé de l'Union européenne dans le monde, il constitue des laboratoires dans la lutte contre les effets du changement climatique, dans les dispositifs de sûreté en haute mer, face aux multiples menaces, dans les mesures de réduction des déficits d'accessibilité et plus encore. C'est pourquoi nous formons le vœu que les futurs travaux de révision de la stratégie européenne de transport maritime intègrent obligatoirement l'ensemble des propositions de la Commission avec une déclinaison et une mise en application dans nos territoires et particulièrement dans les régions ultra-périphériques. C'est d'ailleurs la demande actuelle des présidents des régions ultra-périphériques qu'ils ont adressée à la Commission européenne. Malgré ce défaut d'éclairage, s'agissant de nos territoires, nous approuvons les recommandations de cet avis. C'est pourquoi le groupe de l'Outre-mer le votera. Merci. Monsieur Michel Chassan, du groupe des professions libérales. Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs, dans le monde, 90% des marchandises sont transportées par voie maritime, ce qui représente plus de 180 millions de containers par an, dont 70% sont transportés dans les eaux européennes. La France bénéficie d'un incroyable atout, et c'est bien ce qui vient d'être dit par mon collègue, ces territoires ultramarins, qui font d'elle le deuxième espace maritime au monde. Malgré cela, elle ne figure qu'au 31e rang mondial. Le transport maritime, tout secteur confondu, ne représente que 22 000 emplois sur les 640 000 que compte l'Union européenne dans ce secteur.
Les perspectives de croissance sont donc pour notre pays énormes. Encore faudrait-il que la France se donne les moyens de réussir et qu'elle adapte avec l'Europe une détermination commune face à deux urgences. D'une part, la lutte contre le dumping social et contre la concurrence déloyale des pavillons de complaisance. Et d'autre part, la simplification et l'harmonisation des formalités administratives. Si le développement du transport maritime est une réalité, et même une nécessité, son impact sur l'environnement est considérable. Ses émissions ont progressé de 66% entre 1990 et 2012, et si rien n'est fait, d'ici 2050, elles pourraient encore croître jusqu'à 250%. L'argument de l'impact en CO2 sur l'environnement, qui serait six fois moindre pour le maritime que le routier, doit être relativisé, car le transport maritime utilise majoritairement du fuel lourd, ça a été dit, pour sa propulsion. Un seul cargo pollue autant que 50 000 voitures terrestres, et la pollution de l'air serait responsable d'environ 60 000 décès prématurés par an et coûterait 58 milliards d'euros. Il est donc temps d'agir, notamment en développant de nouveaux carburants, de nouvelles motorisations et de nouveaux modes de propulsion des navires. En attendant, des mesures simples peuvent être encouragées. La réduction de 10% de la vitesse, par exemple, entraîne une diminution de la consommation d'environ 19% et donc des émissions correspondantes. Mais il y a une autre urgence. 70% des navires en fin de vie échouent sur les plages du sud-est asiatique dans des cimetières marins à ciel ouvert. Le démantèlement des navires est donc un enjeu à la fois environnemental et économique. D'une part, les navires en fin de vie sont dangereux pour l'environnement et pour la santé. Un meilleur encadrement mondial du recyclage est donc indispensable. Mais d'autre part, ce recyclage est aussi un vivier d'emplois. Saluons l'entrée en vigueur au 31 décembre 2018 du règlement européen qui imposera le démantèlement des navires battant pavillon européen dans un chantier agréé. Félicitons au passage les trois entreprises françaises qui figurent sur la liste blanche des 18 premières entreprises européennes agréées. Le transport maritime européen, qui ne représente aujourd'hui que 1% du PIB européen, constitue un atout à valoriser de façon maîtrisée pour développer de nouveaux secteurs d'activité, sources d'emplois. Il est donc indispensable d'allier croissance et développement durable afin de réduire son impact sur l'environnement et sur la santé. La vie prend bien en compte tous ces aspects, c'est pourquoi le groupe des professions libérales le votera. Merci. Madame Marie-Pierre Gariel, du groupe de l'UNAF. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Président de section, chers collègues, Mesdames et Messieurs, alors dresser un panorama exhaustif de la politique européenne du transport maritime n'était pas chose aisée. Mais vous avez réussi, Monsieur le rapporteur, dans ce projet d'avis, à sensibiliser la société civile aux enjeux de cette politique sur les trois piliers du développement durable, l'économique, le social et l'environnemental. Le projet d'avis éclaire les préconisations d'éléments malheureusement trop peu connus et l'occasion nous en est donnée d'en faire un plus large écho, ce qui fait que le CESE est là dans son rôle de diffusion de l'information auprès des citoyens et nous en féliciterons tous. Les préconisations nombreuses s'articulent autour de six grands axes d'enjeux. Alors le groupe de l'UNAF souhaite mettre l'accent sur certaines d'entre elles. Tout d'abord, la pollution de l'air par le transport maritime serait responsable, nous l'avons entendu parce que ça nous a frappé, au plan mondial, environ 60 000 décès prématurés par an, avec un coût de 58 milliards d'euros pour les services de santé. Comme les cargos commerciaux sont souvent loin des yeux du public, contrairement aux camions, le secteur n'est pas soumis à de fortes pressions pour réduire ses émissions. Or, les émissions de soufre et de CO2 du transport maritime continuent de progresser, alors même que l'impact du secteur sur l'environnement échappe encore aux engagements climatiques internationaux. Pour lutter contre ces effets néfastes, le projet d'avis fait le choix de l'innovation pour la préservation de l'environnement, mais aussi au plan social et économique. Ainsi, le groupe de l'UNAF retient avec intérêt les perspectives fixées dans le projet d'avis, valoriser les procédés innovants, permettant de réduire, voire d'éliminer les émissions,
mais aussi communiquer et informer les consommateurs sur l'empreinte totale du produit fini, transport compris. Autre point d'importance pour le groupe de l'UNAF, la dimension sociale de ce secteur, avec les questions de l'emploi et les conditions de vie et de travail des gens de mer. Les règles de travail et de vie à bord des navires sont principalement définies par l'état du pavillon. Les préconisations visant à lutter contre le dumping social pour faire évoluer les normes sociales vers le haut, permettre de meilleures conditions de vie, de travail aux gens de mer et élever les niveaux de qualification. Ces préconisations donc visent à lutter contre tous ces éléments, ce qui évitera en plus la fuite des emplois hors de l'Union européenne. Le travail de construction au niveau européen du socle de droits sociaux doit pour ce faire intégrer les gens de mer. Le groupe de l'UNAF vous remercie, monsieur le rapporteur, pour ce travail extrêmement intéressant et votera le projet d'avis. Merci. Madame Martine Vigneault, du groupe de l'UNSA. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Mesdames, Messieurs, cet avis arrive à point nommé pour peser sur la révision actuellement en cours des objectifs stratégiques et des recommandations de cette politique définie pour la période 2009-2018. Le bilan d'étape effectué l'année dernière par la Commission européenne met en évidence des résultats contrastés. En effet, à côté de réels progrès, il faut déplorer une inégale et insuffisante application du corpus dont s'est dotée l'Union européenne, ce qui crée des distorsions intracommunautaires importantes. Effectivement, les options affichées par la Commission européenne reposaient sur une approche intégrée de la politique maritime et étaient fondées sur les valeurs clés du développement durable, de la croissance économique, de l'ouverture des marchés dans le cadre de concurrence loyale et de normes environnementales et sociales élevées. Pour nuancer ce tableau ambitieux, il convient de préciser que l'objectif premier de la Commission européenne, dans ce secteur d'activité comme dans d'autres, est d'appliquer le principe de la libre prestation des services et d'assurer le respect des règles de concurrence. L'avis formule de nombreuses recommandations, parmi lesquelles l'UNSA voudrait citer deux points. La concrétisation d'une vraie filière professionnelle de gens des mers concernant une formation, comprenant une formation de qualité reconnue. Le deuxième étant l'harmonisation réelle des normes sociales sur un standard européen comprenant les outils opérationnels de lutte contre le dumping social. À cet égard, l'Union européenne doit renforcer les conditions d'emploi en intégrant dans la législation communautaire toutes les dispositions de la Convention du travail maritime de l'OIT et en incluant les gens de mer dans la réflexion en cours pour un socle européen de droits sociaux prenant en compte cette belle notion d'eau communautaire. Ceci étant, l'Union européenne devrait réorienter les aides d'État et les financements européens pour soutenir le transport maritime. Elle pourrait aussi se doter des instruments de défense commerciale pour lutter contre les pratiques déloyales des pays tiers. L'UNSA ne saurait omettre de citer la nécessité de limiter l'impact environnemental du transport maritime qui, selon l'Union européenne, doit être sans déchets ni émissions. L'enjeu est de réduire les gaz à effet de serre en agissant sur le mode de propulsion des navires et des carburants en favorisant la recherche et l'innovation dans les systèmes de propulsion. Une harmonisation des réglementations et un renforcement des contrôles grâce à une meilleure collecte des données permettront de bâtir une véritable politique de développement durable. Pour conclure,
Nous estimons également que les questions de sécurité et de sûreté liées au maritime doivent également faire l'objet d'une meilleure prise en compte. Avec cela, l'UNSA votera favorablement l'avis. Merci. Monsieur Claude Cochonneau, du groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Rapporteur, cher Jacques, le groupe de l'agriculture a suivi avec beaucoup d'intérêt les travaux menés sur les transports maritimes. Au-delà de la qualité des auditions et du texte, nous avons été sensibles, très sensibles, aux thématiques abordées dans cet avis. Nous y trouvons un écho au sujet actuel des préoccupations du secteur agricole. De plus, pour nous, les transports maritimes compétitifs et organisés facilitent grandement la circulation de nos marchandises, à l'import comme à l'export d'ailleurs. Sans compter, comme le précise l'avis, les nombreux emplois générés par les activités dans les villes portuaires. Je dois vous avouer que nous avons regretté le développement un peu trop long parfois sur les aspects environnementaux du transport. Il était bien entendu indispensable d'en parler et de formuler des préconisations, mais nous avons eu le sentiment que ces développements se faisaient au détriment des aspects sociaux et économiques. Les trois piliers du développement durable ont été traités, nous semble-t-il, de manière un peu déséquilibrée. C'est la réserve que nous voulions exprimer sur ce texte que nous approuvons dans sa globalité. Nous partageons notamment votre constat sur les distorsions de concurrence et particulièrement en matière sociale. Les travailleurs de la mer employés à l'étranger sont souvent maltraités et l'insuffisance de contrôle sur l'application de la réglementation laisse libre cours à des pratiques condamnables. Comme vous le soulignez, les conditions de vie des marins ne se sont pas améliorées. Qui plus est, ces pratiques de concurrence déloyale nuisent fortement à la compétitivité du secteur en France. Tout comme en agriculture, il faut donc œuvrer en faveur d'une convergence de normes sociales, mais aussi engager l'Union européenne à lutter contre le dumping social au niveau mondial. Nous partageons ensuite les préconisations qui pourraient soutenir la dynamique des transports maritimes en France, former plus largement les marins et favoriser les investissements. Les compétences techniques et technologiques des marins français sont reconnues et devraient être renforcées. Cela doit aller de pair avec une montée en gamme de nos navires et des infrastructures qui les accompagnent. La modernisation et l'innovation sont un enjeu majeur pour l'avenir du secteur et sa pérennité sur la scène internationale. Le groupe de l'agriculture vous remercie et félicite le rapporteur et pour ce travail de qualité et votera en faveur du texte. Merci. Merci. Monsieur Bernard Stalter, du groupe de l'artisanat. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, le transport maritime est un outil essentiel du commerce international et 70% s'effectuent dans les eaux européennes. Les activités de transport maritime en Europe subissent toutefois une concurrence forte des pays tiers. Pays tiers bénéficiant de faibles contraintes sociales et environnementales, à cela s'ajoute une concurrence entre États membres. La révision de la stratégie européenne de transport maritime offre aujourd'hui l'occasion de renforcer la compétitivité de ce secteur en l'articulant autour de trois piliers économique, social et environnemental du développement durable. L'avis formule de nombreuses propositions en ce sens. Nous retiendrons en particulier les axes suivants. Il s'agit tout d'abord d'accroître la place du maritime dans la politique européenne du transport. Surtout et afin de mieux répondre à l'objectif d'intermodalité et surtout de tirer parti des divers avantages qu'il présente par rapport au transport routier en termes de coûts et d'impact environnemental. C'est pourquoi il convient non seulement de revoir le système d'aide européenne pour favoriser le transport maritime de marchandises, mais aussi de relever la part des soutiens aux projets d'infrastructures portuaires avec, à la clé, des activités et donc des emplois sur terre comme en mer. Il s'agit également de positionner l'Europe sur certains segments de la filière qui seraient porteurs d'avantages concurrentiels au niveau mondial. Alors que le transport par voie maritime devrait fortement croître au cours des prochaines décennies, la prise en compte de ses impacts environnementaux revêt un enjeu majeur. Aussi, l'investissement dans les technologies permettant de réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes des navires
ouvre des perspectives à l'industrie maritime européenne qu'il importe d'encourager. De même, la problématique du démantèlement des navires offre l'opportunité de développer une filière de recyclage sous label européen qui serait à la fois respectueuse des normes sociales et surtout environnementales et pourrait aussi servir de référence au niveau mondial. Renforcer la stratégie européenne de transport maritime implique par ailleurs de ne pas laisser libre cours au dumping social. Aussi, il est nécessaire d'avancer sur la question de l'harmonisation des politiques sociales au niveau européen, comme d'ailleurs le CESE a souvent l'occasion de le rappeler. Mais il importe également de favoriser l'emploi ainsi que la qualification des ressortissants de l'Union pour répondre aux besoins d'innovation de la filière comme aux exigences de sécurité des navires. Au final, si la stratégie européenne de transport maritime doit porter une ambition résolue sur la qualité sociale environnementale du secteur, cela exige en même temps une politique favorable au développement de la filière, au soutien renforcé à l'égard des navires sous pavillon européen. Cette stratégie doit s'accompagner d'une action volontariste de la part de l'Europe afin de faire respecter par le plus grand nombre d'États les règles sociales et environnementales régies par les conventions internationales. Le groupe de l'artisanat votera l'avis. Merci. Madame Marie Trélucan du groupe Association. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, chers collègues, le projet d'avis présenté aujourd'hui est éclairant et très utile. Il replace de façon directe la question du transport maritime au cœur des enjeux mondiaux de développement, dans un contexte international marqué par l'adoption récente, d'une part, des objectifs de développement durable par l'ONU et, d'autre part, de l'accord de Paris, lesquels pointaient d'ailleurs l'impact du transport maritime sur le climat. Il était donc important et pertinent que le CESE se saisisse de ce sujet. Le transport maritime constitue un enjeu planétaire, tant pour les hommes que pour leur environnement, d'autant plus dans le contexte où ce marché est en pleine expansion au niveau mondial. Nous espérons vivement que cet avis viendra nourrir la révision de la stratégie européenne de transport maritime et la muscler sur les plans social et environnemental. Notre groupe souhaite particulièrement insister sur trois axes de ses préconisations. Le premier axe est celui de l'harmonisation sociale nécessaire au sein de l'Union européenne. Notre groupe soutient fortement toutes les préconisations visant à promouvoir une politique de l'emploi maritime ambitieuse et notamment le conditionnement de l'octroi des aides publiques au respect de critères sociaux et environnementaux et la proposition d'une politique de l'emploi des marins fondée sur des conditions de travail décentes. Pour combattre la distorsion de concurrence et la fuite des emplois hors de l'UE, il faut en effet lutter résolument contre le dumping social. Cela passera notamment par le renforcement des conditions sociales d'emploi dans le transport maritime et la mise en œuvre des dispositions de la Convention du travail maritime de l'OIT, qui ne sont pas encore couvertes par la législation européenne. Cela passera aussi par un renforcement du contrôle sur les conditions de travail et de bien-être des travailleurs sur les navires. Le deuxième axe est celui portant sur la régulation du marché du démantèlement. Toutes les recommandations proposées par l'avis en la matière nous semblent particulièrement pertinentes, tant il est devenu urgent de développer une filière propre de démantèlement des navires et de mettre en place un programme européen adossé au plan Juncker pour favoriser les investissements privés dans ce secteur et introduire la notion de responsabilité élargie des industriels du secteur. Le troisième axe est celui de la réduction de l'impact environnemental de la filière. Toutes les recommandations visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et toutes les autres formes de pollution générées par l'activité de transport maritime sont évidemment essentielles. Nous pouvons peut-être regretter l'absence de préconisations sur la gouvernance mondiale du transport maritime. Le droit international du transport maritime et les compétences de l'Organisation maritime internationale restent à ce jour l'un et l'autre très faibles et peu contraignants. Or, le contexte du réchauffement climatique et la volonté collective d'atteindre les ODD en 2030 exigeraient davantage de cohérence entre les politiques publiques et davantage de régulation sociale et environnementale au niveau mondial, d'autant plus que l'accord de Paris n'a intégré ni l'aérien ni le maritime dans les engagements de réduction de gaz à effet de serre. En conclusion, faisons le pari qu'une politique européenne forte, cohérente et à la pointe d'un transport maritime exemplaire sera un levier fondamental pour que l'UE puisse porter avec force ses enjeux à l'échelle globale. Le groupe des associations remercie le rapporteur et la section et votera bien entendu unanimement ce projet d'avis. Merci. Monsieur Philippe Saint-Aubin, groupe CFDT.
Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, chers collègues, en se saisissant de la question du transport maritime, sujet a priori technique, la section activités européennes et internationales touchait en fait les trois compétences du CESE et ses axes stratégiques. L'économique, avec un chiffre d'affaires annuel de 145 milliards d'euros et 640 000 emplois directs, le transport maritime représente pour l'Europe 40% du tonnage mondial. L'enjeu est celui de sa compétitivité et de celle des ports européens et donc aussi français, en métropole ou en outre-mer. L'environnemental. Le transport maritime est de loin le plus propre à la tonne kilomètre. Pourtant, il rejette 1 milliard de tonnes de CO2 par an, chiffre d'ailleurs en forte augmentation, et la filière n'a pas pris d'engagement de réduction de ses émissions à la suite de la COP21, contrairement à l'aérien. Sans parler des pollutions volontaires ou accidentelles, dégazage, marée noire, perte de conteneurs, pollution sonore portant atteinte à la biodiversité. Le social, avec l'exploitation de marins venant de pays à bas coût, parfois au mépris de la dignité humaine. Même à salaire égal, quand c'est le cas, le temps de travail, les conditions de travail et de vie sur le bateau, la couverture sociale sont toujours au désavantage des salariés les plus faibles. En parallèle, l'emploi de marins diminue en Europe. Le rapporteur nous a fait naviguer intelligemment entre les écueils de ce monde complexe. Il propose des solutions équilibrées et réalistes sur ces trois domaines. Merci, cher Jacques, d'avoir tenu solidement la barre. Bien sûr, la CFDT votera l'avis. Mais, et ce travail me permet de saluer la présence de Pierre-Jean Coulon au nom du CES européen, ce travail nous a surtout conduit à réfléchir sur l'Europe et sur ce que nous attendons en cette période où elle est fortement remise en cause, 60 ans après la signature du traité de Rome. Et un petit clin d'œil à Emmeline Weber qui a dit très bien tout à l'heure ce que nous allons dire maintenant sur l'Europe. C'est d'ailleurs ce thème de l'Europe qui a donné lieu aux débats les plus animés dans notre section. L'Europe a défini une stratégie offensive sur le transport maritime. Elle est en pointe dans la lutte contre le réchauffement climatique et les pollutions marines, de même sur la mise en œuvre de la Convention maritime de l'OIT. Elle a créé une agence de sécurité maritime qui fait référence. Comparée aux autres régions du monde, oui, l'Europe est un modèle. Pourtant, c'est la même Europe qui tolère que les règles qu'elle édicte soient bafouées par trop d'États membres. S'il faut dénoncer ces États, et la France elle-même, qui fait usage, qui n'est pas irréprochable avec ses pavillons bis comme celui des Kerguelen, il nous faut aussi comprendre les mécanismes qui conduisent à cette situation pour mieux y porter remède. Pour la CFDT, l'Europe n'est pas le problème, mais il faut, dans ce domaine comme dans d'autres, travailler à ce qu'elle soit réellement la solution. Plutôt qu'en dérégulant les services portuaires, c'est en garantissant une mise en œuvre effective d'un socle commun de droits sociaux et de règles environnementales que l'Europe sera à la hauteur de ses ambitions. Merci. Madame Carole Couvert, du groupe de la CFE-CGC. Ce projet d'avis nous a amenés à plonger dans l'univers du transport maritime et à en découvrir les différentes facettes tout au long des différentes auditions que nous avons eues. Le sujet peut paraître simple de prime abord et pourtant il n'en est rien. Parler de transport maritime, c'est à la fois étudier la filière de démantèlement des bateaux et donc parler conditions de travail décentes, par les règles de sécurité de base pour un pays notamment comme l'Inde, mais c'est aussi parler des gardes de côte et donc par ricochet parler du risque terroriste et de la piraterie, c'est parler avenir, parler économie d'énergie avec de futurs navires qui soient moins polluants, c'est aussi aborder la question du commerce mondial, que ce soit en parlant du transport en vrac, du transport par container, mais aussi étudier le transport des passagers, et enfin, c'est parler harmonisation de droit social dans un secteur qui a été longtemps oublié en la matière. Donc, ce sujet peut paraître éloigné de chacune et chacun, et pourtant, Jacques l'a rappelé, notre rapporteur l'a rappelé, 90% des échanges du commerce mondial passent par navire, donc nous sommes tous concernés par ce sujet. Le groupe CFE-CGC soutient l'ensemble des propositions de cet avis. En revanche, nous avons une attention particulière sur trois propositions. La première, bien entendu, c'est intégrer les gens de mer dans un socle de droit social européen.
faire que l'emploi puisse se développer aux conditions européennes et donc mettre en place des conditions de travail équitables. Cela veut dire lutter contre le dumping social, lutter contre la concurrence déloyale dont certains profitent en utilisant des pavillons de complaisance. C'est une proposition qui est à la fois dans l'intérêt des salariés, mais aussi dans l'intérêt des entreprises. Et c'est cette logique gagnant-gagnant qui est chère à la CFE-CGC que l'on peut retrouver derrière cette proposition. Alors, cela va de pair avec la création d'eaux communautaires, comme ça a été rappelé, eaux communautaires dans lesquelles il y aurait une libre circulation sous réserve de respecter des règles communes de droit européen. Deuxième proposition, créer un Erasmus de la mer afin de faciliter les échanges entre écoles d'officiers de marine au niveau européen. Troisième proposition, créer une filière européenne de démantèlement des navires. Et donc là, effectivement, ça passe par un programme d'investissement dans le plan Juncker. Et cela passe également par la fameuse création du label européen de développement durable du transport maritime dans lequel le recyclage serait pleinement intégré. Alors, cette politique européenne de transport maritime, c'est un défi. C'est un défi à la fois économique, c'est un défi à la fois social, un défi environnemental pour les décennies à venir. Donc nous espérons que le futur gouvernement s'emparera de ce sujet et le portera au plus haut niveau européen pour que les préconisations du CESE, les préconisations de la société civile organisée que nous représentons tous, soient intégrées au moment de la révision de la politique de stratégie européenne de transport maritime. Le groupe votera cet avis et remercie le rapporteur et toute l'équipe. Merci. Monsieur Joseph Touvenel, du groupe de la CFTC. Monsieur le Président, chers collègues, cher Jacques, nous l'oublions trop souvent, la France est avec 11 millions de kilomètres carrés la deuxième puissance maritime au monde, en superficie. La deuxième puissance maritime au monde en superficie, mais grâce à notre pays, l'Europe est de loin la première puissance océanique. C'est un atout majeur, c'est une responsabilité. Comme l'indique notre rapporteur, dans la mesure où 90% des marchandises sont transportées par voie maritime dans le monde, le transport maritime revêt une importance stratégique. Pourtant, même si des progrès ont été accomplis sur le plan juridique, nous ne défendons nos intérêts que très insuffisamment. Le transport maritime est confronté à un dumping social qui ne cesse de s'aggraver, tant au plan international qu'intra-européen. La CFTC approuve l'ensemble des recommandations qui nous sont proposées, et plus particulièrement le recours à des instruments de défense commerciale pour lutter contre les pratiques déloyales de pays tiers qui faussent la concurrence au niveau mondial. Et ce, tant sur le plan social qu'environnemental que fiscal. Il est urgent de mettre en œuvre le socle de dispositions sociales communes ambitieux, tel que préconisé dans l'avis. Il est effectivement nécessaire d'appliquer les dispositions portées par l'Organisation internationale du travail qui ne sont pas couvertes par la législation européenne. Recrutement et placement, salaire effectif, sécurité sociale, incluant l'assurance maladie, la couverture des accidents du travail et la retraite pour les gens de mer. C'est à juste titre que l'avis estime essentiel de contrôler et limiter ce véritable scandale humain et écologique qu'est bien souvent le démantèlement des navires européens. La CFTC soutient l'idée d'une directive portant sur la certification des sites de démantèlement, comme elle soutient l'émergence d'un label européen « Développement durable du transport maritime ». Et je suis sûr que Pierre-Jean Coulon, le représentant du Comité économique social européen ici présent, sera un utile relais sur cette demande. Mais une réglementation n'est rien si elle ne s'appuie pas sur des contrôles fiables, ainsi que sur des sanctions efficaces. Il faut également, dans ce domaine, harmoniser les pratiques européennes et renforcer nos capacités. Les Américains savent le faire, pourquoi pas nous ? Il en va de dizaines de milliers d'emplois de qualité. Vous l'avez compris, le groupe CFTC votera cet avis, sans mais, tout en espérant que cet avis ne fera pas comme les eaux des fleuves qui se perdent dans l'océan des renoncements. Merci. Merci. Monsieur Paul Fourier, groupe CGT. Monsieur le Président,
Monsieur le rapporteur, cher Jacques, monsieur le président de la section, cher Jean-Marie, chers collègues, le projet d'avis proposé est un de ceux qui met en lumière les carences flagrantes, à la fois dans le domaine environnemental et dans le domaine social, d'un mode de transport mondialisé, très insuffisamment régulé, même s'il est soumis à des règles mondiales. Nous sommes dans un secteur où règnent les pavillons de complaisance, où le fiscal, le social, la sécurité font l'objet de dumping et où des paradis fiscaux tels que le Panama, le Libéria, les îles Marshall, Singapour, les Bahamas et même Malte en Europe sont pour ces raisons en tête des tonnages mondiaux. Dans ce secteur, c'est très souvent la loi de la jungle pour les conditions de travail, de protection sociale, de vie et de santé des marins, ainsi que pour les émissions de gaz à effet de serre, de soufre, d'azote, pour les déchets, les eaux usées, qui détériorent chaque jour un peu plus l'écosystème marin. Le projet d'avis relève bien qu'il faut lutter contre le dumping social et que la situation de l'emploi et des droits sociaux des gens de mer doit être améliorée. Sont dénoncés tour à tour la fatigue, le manque de contrôle des heures de travail, la réduction des équipages, la carence de statistiques fiables sur l'emploi maritime et la formation. L'absence de volonté du législateur européen est mise en évidence face à l'hémorragie des emplois. Par ailleurs, il est relevé que le potentiel des autoroutes de la mer n'est pas réalisé. Le CESE en appelle aux acteurs sociaux européens pour qu'ils travaillent sur des pistes visant à renforcer les conditions d'emploi, à lutter contre le dumping social, à tirer les normes vers le haut, tout cela dans un contexte où ils ne sont guère soutenus par les institutions européennes, Commission en tête. Enfin, sans être exhaustif pour la partie sociale, le projet d'avis insiste sur la nécessité d'imposer dans ce domaine, comme dans d'autres, des contreparties pour l'octroi des aides publiques. Notre groupe insiste sur le fait qu'il faut aussi réfléchir à une politique de cabotage maritime à l'échelle communautaire, fondée sur des normes sociales européennes en phase avec l'acquis communautaire. L'objectif est d'aboutir non pas seulement à un espace maritime européen, sans barrières, reposant uniquement sur la facilitation du trafic avec simplification des opérations maritimes, comme les douanes et les formalités administratives, mais également à un espace avec des garanties collectives élevées. Pour terminer, je tiens à remercier évidemment Jacques Bell, le rapporteur, mais également Marion Thomas et Basile Bernard pour l'administration, ainsi que Valentina et Mercedes, qui n'ont pas économisé leurs efforts pour aboutir à la qualité du texte qu'ils nous ont proposé. Pour l'ensemble des raisons évoquées, la CGT votera le projet d'avis. Merci. N'ayant pas de demande de prise de parole, nous allons procéder donc au vote et je déclare le scrutin ouvert. Tout le monde a voté. Je déclare le scrutin clos et nous allons proclamer donc le résultat. Score unanime, 150 pour. Félicitations. J'adresse toutes mes félicitations bien sûr à Jacques Bell, le merveilleux capitaine de cet avis, à la section. Et je voudrais aussi une nouvelle fois remercier la présence, bien évidemment, de Pierre-Jean Coulon. Sa présence est quand même symbolique de ce que l'on essaie d'entreprendre ici au CESE, c'est-à-dire le rapprochement du CESE européen et du CESE français. C'est très important que vous soyez présents ici et je vous en remercie. Je vais donc passer la parole à Jean-Marie Cambacérès, mais juste une seconde avant, j'aimerais que vous restiez quelques minutes. J'ai une déclaration à faire qui ne prendra pas beaucoup de temps, mais je souhaiterais pouvoir la faire juste quelques minutes, à l'issue de l'intervention de Jean-Marie. Voilà, merci. Oui, alors moi, président, bonjour d'ailleurs, et merci d'avoir bien présidé cette section, cette séance. Je vais rester quelques secondes, puisque le président va vous parler après. D'abord, merci à vous tous d'avoir voté à l'unanimité. Ce n'était pas facile au début, parce que c'était un sujet que nous ne maîtrisions pas au début, assez technique,
Et grâce à Jacques et à toutes les auditions, on a su petit à petit tracer notre chemin. Et grâce aussi à l'équipe, vous avez vu, d'habitude sur les navires, ce n'est pas exactement comme ça, mais elle est très féminisée. Donc merci à vous tous qui nous avez aidés. Je remercie aussi mon ami Pierre-Jean Coulon qui est là aujourd'hui. Et je voulais vous dire qu'en fait, ce n'est pas par hasard qu'on avait choisi ça. C'était la première autosaisine. L'année dernière, on avait eu 3 saisines du gouvernement dans la section. Et donc, pour le choix de cette saisine, on n'était pas non plus complètement déconnecté de la réalité. On avait d'abord créé un groupe thématique de réflexion sur l'Europe, et ça a été rappelé, et plusieurs thèmes apparaissaient. Et puis, grâce au président Bernasconi, qui nous a demandé de faire du rayonnement, on était allé à Bruxelles. On avait été très bien accueillis par la commission de Pierre-Jean Coulon. Et là, il nous avait annoncé que l'année prochaine, puisqu'on était l'année dernière, ça serait l'année du shipping. Et donc, la convergence des deux nous a fait retenir cet avis. Nous l'avons mené à bien, grâce à vous, à l'unanimité. Et je voudrais dire une dernière chose en constatation. Je suis très heureux du vote de tous les groupes, mais particulièrement de celui du groupe entreprise, parce qu'il n'y a pas pour moi, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'impossibilité entre l'économie, le social et l'environnemental. Et j'en ai un exemple très très concret. C'est que j'ai eu l'honneur la semaine dernière d'être avec le président de la République à Singapour, en Kuala Lumpur et en Indonésie. Et il y avait les deux plus grands armateurs français, CMA CGM et Louis Dreyfus. Et j'ai pu paraître, grâce aux travaux collectifs de la section, très intelligent pendant ce voyage, parce que j'ai pu leur parler. Et le fait qu'ils aient adopté un certain nombre de normes très élevées les fait au contraire choisir en Asie comme partenaire pour toutes les grandes décisions. Le groupe CMA-CGM a fait à Singapour un des plus gros terminaux de containers. Ils ont choisi des Français. Et en Indonésie, qui est la plus grand archipel du monde, puisqu'il y a 17 000 îles, c'est le groupe Louis Dreyfus qui a été choisi par le gouvernement pour faire un certain nombre de services de très haut niveau. Donc je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre l'économie, le social et l'environnemental. Vous l'avez montré aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci. Non, deux secondes, Jean-Marie, deux secondes. Bon, chers collègues, voici notre dernière séance avant le premier tour de l'élection présidentielle. Notre conseil, assemblée de la société civile organisée, ne dépend pas de ce temps des scrutins qui rythme notre démocratie. Même si elle en est totalement partie intégrante et même si j'osais, partie faisante. Ces scrutins sont notre démocratie et nous devons non seulement, bien entendu, en tenir compte, mais aussi nous inscrire dans ce qu'ils impulsent. Tel est le sens de la conférence du CESE que je propose. Mais je désire, en cette veille d'élection présidentielle, évoquer quelques points. Tout d'abord, vous demander d'appeler dans les organisations que vous représentez à la responsabilité. Je ne parle pas, bien entendu, de la couleur du bulletin de vote de chacun, je parle de l'exercice du droit de vote. Le bulletin de vote est un bien individuel et commun pour lequel trop de nos concitoyens se sont sacrifiés pour qu'il ne soit pas utilisé, d'une quelconque façon que ce soit. Je suis inquiet comme vous, je le pense, devant les prédictions du nombre de nos compatriotes qui pourraient s'abstenir. Notre Assemblée a participé à la préparation de ce grand débat démocratique que devrait être, je le crois, l'élection présidentielle. Durant l'année qui vient de s'achever, nous avons travaillé sur de nombreux sujets qui préoccupent ou touchent directement nos concitoyens, tels que le dialogue social, élément indispensable du fonctionnement démocratique, l'emploi, les enjeux européens, le climat, la transition énergétique, la grande pauvreté, pour laquelle nous avons adopté une résolution, pour ne citer que cela. Rien de plus normal, nous sommes l'une des institutions participant au débat démocratique. Nous avons apporté au débat démocratique, nous avons éclairé les pouvoirs publics. À travers nos travaux, nos échanges, nos préconisations, nous avons transmis le sentiment de la société civile organisée et pour qui sait l'écouter, de longue date, ce sentiment est l'inquiétude. Avons-nous su, toute institution confondue, répondre aux interrogations et aux inquiétudes largement partagées? Je ne le pense pas, je ne le crois pas. Dans 3 semaines,
Nous connaîtrons le nouveau ou la nouvelle présidente ou président de la République, le programme qu'il fixe pour la France et pour lequel il nous reviendra de l'accompagner dans notre rôle constitutionnel de conseil au pouvoir public, c'est notre devoir. Ce rôle, nous le jouerons pleinement avec la pleine conscience de ce que nous représentons, la société civile organisée, consciente de ses responsabilités. Les inquiétudes des Français sont là, l'emploi, la fracture sociale, la fracture territoriale, les défis de la santé, de l'éducation, de l'environnement de demain, de la place de notre pays dans l'économie mondiale. Ces inquiétudes, c'est ensemble que nous y répondrons. Je considère que le CESE est là pour participer à ces réponses, pour aider notre démocratie à surmonter ces problèmes, ces immenses problèmes. C'est tout le sens de l'action que je vous propose, car nous devons être l'Assemblée de la société civile organisée, l'Assemblée de l'action. Je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end pascal, je déclare la séance levée et je vous invite bien évidemment.